bienvenue sur Gregotte.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme de gainage. Alors, il faudra aller voir sur mon blog le PDF qui vous expliquera qu'est-ce que le gainage et également comment faire le programme, c'est-à-dire combien de temps, combien de fois. Voilà, donc je vous mettrai toutes les informations dans un PDF, le lien est sur mon blog. Donc, le gainage, c'est très important pour travailler la ceinture abdominale. Les abdominaux ont avant tout une fonction de maintien. Donc la meilleure solution pour les travailler correctement, c'est le gainage. Alors le programme là se présente en 9 exercices. Vous allez voir, je vous présente ça tout de suite. Donc, le premier exercice. On part d'une position pompe haute et on maintient. Alors attention, on ne va pas cambrer de manière excessive le dos. On ne va pas non plus avoir les fesses trop hautes. On va simplement maintenir la position, d'accord, bien droit. Premier exercice. Deuxième exercice, je vais aller retirer une main et maintenir, d'accord. Je fais la même chose de l'autre côté, je maintiens en retirant une main. Faites attention à ne pas tourner, voilà, c'est une solution pour faciliter le mouvement. Le but, c'est de rester face au sol en retirant la main, vous pouvez la mettre où vous voulez, hein. Changer. D'accord, donc là, ça vous fait déjà 3 exercices. Quatrième exercice, je vais aller retirer une jambe. Cinquième exercice, je retire l'autre jambe. Sixième exercice, je vais retirer un bras et une jambe opposés. Donc par exemple, main gauche, pied droit. Même chose de l'autre côté. Et là, encore une fois, il ne faut pas pivoter, vous voyez. On reste bien face au sol. Ensuite, exercice numéro 8, position T. Je forme un T et je maintiens la position. Et le 9e, la même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est le programme de gainage. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. C'est quelque chose que je vous recommande de faire très régulièrement, c'est vraiment très utile. Les sportifs, ça joue un rôle important dans la prévention des blessures. Donc, je vous conseille de le tester, de voir ce que ça vous fait, si vous êtes à l'aise avec ou pas. Et vous allez voir que c'est vraiment très 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 efficace comme exercice. Vous allez après en plus pouvoir modifier les protocoles d'entraînement entre la durée et ou les nombres de répétitions en fonction de ce que vous choisirez. Merci de me laisser un petit commentaire sur ce que vous, sur ce que vous avez pensé du programme, si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas non plus à me laisser d'éventuelles demandes, des questions, des demandes de programme, voilà. Comme ça, j'essaie d'y répondre et puis je sais que c'est quelque chose qui est attendu et qui vous plaira. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.